Yo 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 yo, est-ce que vous allez tous bien? Moi ça va super. Y'est faim, y'est faim, y'est faim. Copier le lien. Mais quoi, oh j'ai faim, je le dis quand même. Bonjour à tous. Bonjour, bonjour. Demain matin, je fais le montage de la vidéo de demain. Donc, ouais, je fais le montage du matin pour l'après-midi. Bonjour Kunto, j'espère que tu vas bien, ça va super et toi? Merci en tout cas. Oh putain, parce que forcément, attendez, d'ailleurs je pue mon Discord. Ouais Enzo, yep Enzo, comment ça va? Mon Discord pour ceux qui veulent le rejoindre, je fais le message vite fait. Je trouve pas le drapeau de l'Arabie Saoudite. Alors ça m'embête. Non. C'est peut-être dans les S. Mais voilà mon Discord pour ceux qui veulent le rejoindre. Comme ça, vous avez toutes les notifs de live. Et tout et tout. Mais comment vous allez, les gens? Est-ce qu'on m'entend bien? On m'entend très très bien. Australie. Hop, nice, je vais rejoindre car je ne suis pas au courant des moments où tu l'as eu. Ok, bah vas-y rejoindre, c'est un Discord incroyable. Faut que je remette à jour les salons, que je refasse un petit peu le Discord. Hop, je te mets le rôle abonné. Et voilà. Comme ça, il y a les copains pour discuter F1 quand il y a des GP ou quoi. Je vais créer des salons. Je vais créer les salons pour la F1 et tout. On débute donc cette saison 3 de My Team avec Audi. Sur ce calendrier assez spécial. Petit retour sur le calendrier. Aujourd'hui, on fait Arabie Saoudite, Australie, il y a la Chine, Imola, Espagne, Canada, Autriche, Silverstone. Il y a le GP de France, Spa, Monza, Qatar, Mexique, Brésil, Portimao. Et on finit la saison à Vegas. En fin de saison, en Vegas. J'ai quand même un peu peur que les transferts. Donc, on a Magnussen chez McLaren désormais. Norris chez Mercedes. On a qui? Tsunoda chez Aston. On a gardé Kobayashi, Sargeant chez As et Drugovic chez Williams. On va directement au premier GP.
Ça fait grave longtemps que j'ai pas live. Ça fait longtemps de ouf, ça fait plaisir de pouvoir au live. On a reçu les nouvelles pièces de l'usine. On va les intégrer à la monoplace en vue du prochain Grand Prix. Je contacte. Yep, Suko, comment ça va? Comment ça va, mon ref? Comment s'est passé cette endurance de Monza? Ah là là! Moi, ça va super. Non, mais vraiment, ouais, je vais sur le live et tout. Et là, je vois dans le Discord de la Onyx. Fais pas la course, mal organisée. Ouh là là! J'ai peut-être bien fait de ne pas la faire. Je sais pas quoi faire. Je prends quoi? Vas-y, hop. Voilà, c'était très drôle. Hein. Moi, en vrai, c'était cool. Sur le Nurb. Avec Back Killer. Mon rival. Je peux choisir aucun des trois là. Merci d'être intervenu et d'avoir aidé à la résolution du problème. Ah oui, la R&D, Aston. Alors, non, mais ça, c'est très drôle quand même. Enfin, genre, troisième saison, on est toujours nul à chier. Toutes les équipes sont améliorées, sauf nous, c'est super. On est resté au même endroit avec As. As qui a même perdu en perf. Mais, donc on les a bien rattrapés, mais nous on a chuté. Ça pique un peu, je vous avouerai. Par on va essayer de Audi le flop. Ah vraiment? Ah vraiment? J'allais dire un truc, mais non, vaut mieux pas. On est sur l'internet, on n'est pas IRL. Hier, j'aurais pas dit un truc très gentil sur Audi, mais je dis rien. Non, ça va, Audi, c'est très bien en F1. Tu vois, rien que pour Audi, j'espère qu'Alfa Romeo va remarquer 0 points cette saison. Alors que j'adore Alfa. En vrai, ce week-end GP des Pays-Bas, votre prono, les gars. Vous pensez Paul de qui, victoire de qui? Paul, je sais pas si Verstappen va aller la chercher. Victoire, en vrai, je sais pas. Non, mais j'en ai marre de. Non, mais on est en Arabie Saoudite. Non, mais on est en Arabie Saoudite et on a de la pluie. Mais non, mais c'est quoi? Mais c'est quoi de ça? Laissez-moi avec votre pluie. Même à la Lunaria, j'ai que de la pluie. J'ai juré. En fait, c'est que je suis trop gentil pour la pluie. J'attire la pluie. Ah bah j'ai pas assez pour prendre des vents. Ah non mais vraiment, c'est d'une aberrance. C'était qui champion saison 1? Leclerc. Mais... Oh putain. Pas grave, on va abandonner. C'est vrai, toujours l'FP1 du premier GP, on peut pas faire essai rapide. Mais non, mais c'est aberrant. Non mais... Et tu vas me dire que à l'autre Australie va pleuvoir. Va boss Alpine. Voilà, Alpine sur cheaté. Hein. Tsunoda meilleur tour. Hein. Tsunoda champion du monde. Ah Kobayashi là, tu me plais pas trop mon ref.
J'ai très très peur de ce premier GPA. Hop. Non mais vous y croyez-vous? Alors je vais me mute. J'ai d'être jeudi, j'enlève mon appareil dentaire, mais je devrais mettre des putains de gouttières. Attends, les gouttières, c'est quoi déjà? Attends, les gouttières, c'est quoi déjà? Alors, je sais que je suis con, hein, mais. Non, mais. Après, voilà. Faut peut-être m'expliquer, tu vois. Non, mais. Par contre, c'est quoi des gouttières déjà? Je sais plus. Vraiment. En tout cas, c'est bien si t'enlèves ton appareil dentaire déjà. C'est déjà un pas en avant. C'est un truc pour stabiliser maintenant. Ah ouais, je vois. Je vois, je vois. Je crois. Non mais au moins dis-toi ça avance. Oh putain, mes dents de sagesse, hein. Ah, pas. Je suis pas confiant pour les dents de sagesse, moi. Let's go souffrir. Encore se faire éliminer un Q1 après 3 saisons. De souffrance, et ben on va continuer à souffrir. On repart loin, quoi. C'est chiant un peu. En fait, depuis la saison 1, on n'a pas vraiment bougé, hein. Merci Tigui pour le flow. Merci, merci, j'ai vu.
je sais pas sur quelle chaîne, si c'est ma chaîne principale ou ma chaîne secondaire, mais merci pour le follow en tout cas. Si tu passes par là, ouais, mettre le setup sec, tant pis. On va souffrir en qualif. Ah non, mais Jeddah sous la pluie, quoi. Ça me fait penser à mon mode carrière sur F1 22. C'est plus en course, hein. C'était vraiment pas drôle, en plus avec une as. Hop. Je sais pas si je suis bien installé ou quoi. Mon frère, mais j'ai même pas l'impression qu'il pleuve. Qu'il pleut. J'en ai 4 viewers. Bienvenue à tous. Bienvenue à tous les gars. Oh, le setup sec il est horrible là, sous la pluie, hein. Ah vraiment je suis... Mon frère, ça se voit, le... la pluie sur Jeddah elle a pas été travaillée. Magnussen 34.4. Ah là c'est vrai, il est chez McLaren, il va jouer le titre. Enfin, il est champion. Même d'ailleurs. Magnussen champion du monde. Y'a quoi? Trouvez mieux, hein. Magnussen champion du monde avec Aston. Mais oh, je suis absolument. Je passe pas la Q1, c'est bon. Je suis éliminé en Q1. No joke. Sans blague. Wouah, j'ai aucune trage. Mais le setup est horrible. Mais non, t'inquiète. Hop, le petit flashback. On a le droit à un flashback en qualif pour appel et 3 en course. Course de 35% je crois d'ailleurs. Mais vraiment. Troisième saison, on est toujours 9e en perf. En soit 9e, ça va. C'est juste troisième saison, quoi. Je veux bien être gentil, mais bon. En soi, ça va, on n'est pas la ramasse. On est juste loin. Mais ça va. J'y crois. Pas. Mais on va dire que si. Oh my god. Oh lolo. Bon, ça va en soi. Ouais. Ouais, faudrait test, mais... Oh putain, c'est vrai, j'ai une place. Ouais, j'ai... Là maintenant, du coup, là j'ai une place. Puisque Pandarou est repassé sur son compte principal. Hein, qu'il faudrait tester, ouais. Je ressors. Pas là, parce que j'avoue que là. Ah, je suis content de retrouver la carrière. Ah, depuis le temps que j'attendais. 3 semaines. Ouais, ça serait bien. La carrière cop, en vrai, j'ai trouvé. En fait, ce qui est chiant, c'est qu'il n'y a pas de nouveauté. Bon, au début du jeu, on avait. Il y avait le bug des perfs là. Je suis 5ème avec une Williams au championnat. Piastri P1 encore. Puis bon, tous les gros pilotes sont revenus, mais c'est déjà pas mal. Le glisse. Ah,
Allez, 300. Un point d'avance sur De Vries pour la P18. Ouais, franchement, Jeddah sous la pluie, setup sec, je vous déconseille. J'aurais même peut-être pas dû mettre setup. Après, ça veut dire qu'en course, normalement, on est censé être pas mal. Mais bon, on part en dernier, mais on a qu'à faire un giga undercut. On va tenter un giga undercut. Sur le 23, juste fais pas qu'il en solo. Et carrière solo, c'est toujours pareil. Et le système de gestion me saoule. Ouais, pareil en vrai. Pareil. Juste, je le fais en live comme ça, c'est cool. En plus, il y a souvent quelques personnes et puis c'est cool. Et le breaking point, j'ai fait un peu déçu. Pouah, le classement, mais le classement. Par contre, les Red Bull. Voilà. Ouh, on est loin. On est très très loin. Ah oui. Pas grave, c'est pas grave, c'est la pluie, on va dire. Pas grave. Non, mais là, sur la carrière sur le 23, j'ai l'impression, il y a plus de changements de hiérarchie. Comparé aux autres jeux. Genre là, les Red Bull, elles sont paumées. Genre, c'est limite à jouer les points en saison 2. Aston qui joue le titre. McLaren qui... Voilà. En COP aussi, j'ai Alpine qui ont pris 6 points en 10 ou 12 courses, je sais plus, mais 10e à 6 points. Alpine à rip, hein. C'est ça que j'aime bien. Petit changement comme ça. Bon bah, go la course. Go la course à partir dernier. Est-ce que je prends un nouveau moteur? Non, flemme. Flemme un peu. Mais. Ouais, en soi, c'est un peu chiant les carrières. Après, c'est le truc qui est chiant, c'est que c'est vraiment le seul truc selon. Alors tu vas jouer solo, il y a que ça. Le breaking point, il est ultra facile et ultra rapide. Attention, ultra facile en mode genre en difficulté. Il est grand temps de laisser derrière nous des mois de rumeurs et de spéculations pour reprendre le chemin des circuits. Le lancement d'une nouvelle saison qui s'annonce forte en rebondissement est imminent. Voici venue la première manche du championnat du monde de Formule 1. Alors bienvenue à tous. Un breaking point. Jetons un œil, si vous le voulez bien, à la topographie du circuit urbain de Jeddah. J'ai pas fini encore techniquement, mais j'ai tout regardé sur YouTube et tout. Il va être intéressant d'observer quelles seront les écuries capables d'être trop rapide. Les données accumulées lors des séances. En vrai, j'ai envie de refaire la F2 sur la fin 2019. Les risques de se payer très cher. Espérons tout de même avec que Lucas Weber et intervenir ce week-end. Devin Butler. Avant de faire une vidéo, jetons un coup d'œil à la composition de la grille de départ de la course du jour. Refaire les cette course en pole position, cinématiques, de les de la deuxième place. Les histoires le de la grille. En vidéo vite fait. Tsunoda P4, mais pardon. Leclerc, Perez, Verstappen, Magnussen. Red Bull 9 et 10. Hülkenberg, aïe. Albon, Drugovic, Sargent, Kobayashi P17. De Vries, Oscar Piastri, seulement P20. Et Lucas. Il est et nous P22.
On va y aller pour le tour de formation. Nouveau départ et tout peut arriver. Jacques Villeneuve est avec moi aujourd'hui pour commenter cette nouvelle année de Formule 1. On n'est plus qu'à quelques minutes du départ. Toutes les écuries s'inquiètent un peu de la fiabilité de leur monoplace. Allez, Russell. Elles n'ont pas été testées aussi à chaud. Tu pars en pole, mon ref. Des autres voitures lors des essais. Et elles n'ont pas non plus été poussées à l'extrême pour de longues périodes. Espérons que personne n'aura de mauvaises surprises à gérer. Baisser l'essence. 18,7. On va faire ça. 2,2. Ouais. Alors on est bien. On y va. On va voir un petit peu les choix pneumatiques. Et c'est parti. Le tour de formation est lancé et les pilotes ont un ok, il y a quelques médiums. Joe et Kobayashi sur médium. Ok. Drugovic et Russell. Putain, Russell perd en médium. Pourquoi pas? Why not, hein. Les voitures s'approchent de la grille et s'alignent pour le départ de la course. Les compétiteurs en piste espèrent tous prendre le meilleur départ possible. On va tout donner sur le podium ou à défaut dans les powered by AWS by Amazon. On va se mettre sur la grille de départ directement. Après en gestion, ouais, c'est vrai que F1 c'est pas ouf. F1 managers, c'est pareil, on fait vite le tour. Oh là là, je me suis totalement raté. J'ai pas du tout eu un bon temps de réaction. Bah, les deux Audi. Croise et comme il y a un médium, forcément que c'est un raté. Sauf P20, on a gagné quand même deux places, c'est pas mal. De Vries qui n'a pas encore sauté, on va bientôt avoir notre copain Ricardo. Ah, j'ai hâte d'avoir Ricardo. Oups. Je me suis un petit peu énormément loupé. Oh non, mais j'arrive pas, c'est dingue aujourd'hui. Après, on se concentre. On a un meilleur moteur que le moteur Red Bull. Je ne sais même plus quel moteur. Tellement que ça fait longtemps que j'ai pas live carrière. Oh là là, le 3 de front. Drugovic en plein milieu. Allez, Kobayashi. Allez, c'était vamos. Mais Kobayashi, mon rêve. Désolé, les track limites. Bon, ici à 2, ça passe pas vraiment non plus, quoi. Je pense que c'était soit ça, soit accrochage. Hein. Puis comme ça, on passe sur notre coéquipier. C'est quand on cut, je t'en ai rien vu. Ah bah désolé. Hein. On vide notre RS vraiment. Et pas si rapide que ça par rapport au médium.
s'il te plaît, Kobayashi n'attaque pas. Bon, après, en soi, c'est là où est-ce qu'on doit être. Hein. On doit pas vraiment jouer plus haut. Ce vibreur là il m'énerve. Deuxième aller-retour. Je rappelle, je joue en normal, hein, pas en sévère. Enfin, bon, si je me prends une peine en normal, bon. D'ailleurs, ici j'ai gagné à la Sunday Night week-end dernier. Là, je suis en galère totale. Hein. On va faire un jeu de DRS avec Kobayashi. Hein. Go pass génère. Essayer de récupérer un petit peu de RS. Kobayashi, allez. C'est bon, d'un moment on est coéquipier ou on n'est pas coéquipier. Et toi aussi, bref. On va y arriver les gars. Après, en soi, P18, P19, on doit être à peu près là. On va pas faire des miracles non plus. Juste là, vraiment, je suis lent, très lent. En fait, j'arrive pas à avoir le rythme. C'est bizarre. Déposer. Mais on l'a déposé ma d'une force. Le moteur à combustion interne il souffre. Je glisse. Là, il nous faudrait un drapeau rouge hein, pour nous relancer. Honnêtement, on est lent, on a rien. Même une safety, ça va pas vraiment nous aider. Une nouvelle stratégie de course non sur mais... ton AMF. Si tu peux... Là, je suis désolé, mais... Ouais, après, non, peut-être que non. Faut peut-être voir sa caméra, mais... Telle vitesse aussi.
Bah pas encore. Premier flashback. Nous approchons de la fenêtre d'arrêt au stand. J'ai l'impression d'être les Alpines en 2022. Et ouais, Drugovic. On se rabat derrière. On sait pas qu'on des pneus médium quoi. C'est pour vous dire à quel point on est en difficulté. Hein. À des pneus médium de voiture à performance similaire. Je n'ai même pas si ils étaient avec des pneus à performance égale à Calais Soft. Drugovic va déposer Kobayashi. L'insolence du mec, il a même rabaissé son DRS. Drugovic. Après, en soi, c'est de la stratégie. Kobayashi, ne le réattaque pas, reste derrière, reste calme. Juste pas de casse. Attention, attention. Ah, il est le devant. Fais attention, il y a eu un accident dans la partie suivante du circuit. Safety. On va voir. Mais juste pour un spin quoi, sérieux. Mais en plus il est en fantôme, tranquille. Alors vraiment besoin d'une safety pour ça. Après une peu box, mais je crois qu'on va se faire gêner par Kobayashi. On va box déjà. On gagne une place donc sur Leclerc. Il repart, mais là, il repart de tellement loin. Putain, ça fait baiser. En vrai, j'espère les médiums ils boxent pas, mais du coup, ça baise aussi Kobayashi quoi. Si les médiums ils boxent pas, moi je suis pas mal en soi. Mais ça me remet un peu sa mettre si ils boxent. Kobayashi qui boxe, ça me fait même perdre une position. On va essayer de regarder sur la minimap. Ouais, non, ça boxe. Tout le monde boxe. J'ai tellement peur même de boxe là. J'ai essayé de le dépasser, c'est vrai. Je suis peut-être un peu fou. Mais on les traverse même. Mais non, mais là. Deuxième flashback, j'assume totalement. Avec le monde. Il y en a, ils vont plus que tout perdre. J'ai même gagné, pour vous dire. Fin de notre stratégie pour les stands. Tâche de conserver ses gommes jusqu'au bout. Sainz coupé 19. Oh là là. Rip Carlos. Attendre donc la cinématique de la safety. Hein.
ça veut dire que Kobayashi, là, il est bien. Il a gagné quand même des places et tout. Puis Russell, Norris, P15. Mamma mia, le pauvre. Hein. Ah, mais il y en a, ils se sont fait baiser. Hein. Au sens propre. Peut-être un peu oublié de freiner mes TKTR. Kobayashi dans les points, Kobayashi dans les points, let's go! Kobayashi P9, mon chouchou! Vamos! T'as combien d'équipes dans le top 10? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 9 parce qu'il y a les deux McLaren. Magnussen, les P3. Imaginez Strolligan. Le GOAT. Le GOAT canadien. Après Leclerc, Tsunoda, Norris, et même Sainz vont remonter comme des oufs. Faut pas s'attendre à un miracle, mais là c'est un avantage certain. Voiture de sécurité, rentre ce tour. Voiture de sécurité au stand. Assure-toi de mettre tes pneus à température et n'oublie pas qu'il est interdit de dépasser jusqu'à la ligne de chronométrage. Reste à ta place jusqu'au drapeau vert. J'ai perdu là le temps sur ça, vraiment. Voilà, restart de malade, non. En fait, non, pas de malade, mais en vrai, ça va. Tente même sur Norris, non. Utilise la touche dépassement, c'est le moment de se servir de ce surplus d'énergie. J'ai tenté sur Drugovic. Bah oui, il est en soft, effectivement. Ah là, il est bien. Donc. Après là on va, ça va nous aider les petites batailles et tout. Quand Norris il va dépasser, quand Tsunoda il va dépasser, quand Sainz va dépasser, quand Leclerc va dépasser. Drapeau vert parce qu'il y a eu un drapeau jaune. Ou juste pour la safety. Donc en gros l'idée je m'en fous littéralement. Ça doit être pour la safety. Oui, ça t'as que devant Drugovic. Voilà, j'ai vu son moteur exploser. Mamma mia, ça m'a fait très rire. Là, il manque plus qu'une nouvelle safety. Mamma mia, c'est parfait. Ça aide Kobayashi à tenir ses softs. Puis ça fait 3 tours, est-ce qu'il pourra pas perdre de position? En fait, ça lui fera gagner du temps. Du pneumatique. Peut-être des points. C'est une safety. Voilà, les points sans safety, honnêtement, je vois mal terminer P9 sans safety. Après, on soit allé en soft. Qui est censé être un peu plus rapide que la normale sur ses premiers tours. Le problème, c'est peut-être sur ses premiers tours. Bah, Moss devant ça se bat. Alors, ça nous aide bien. Et dans un fleur d'air sale, t'es pas sûr, non, jure. C'est pas comme si j'essayais déjà. Allez, Vamos DRS dispo.
Zéro réaccel. Norris qui repasse pour la P15. En fait là, on peut pas les avoir au frein parce que dans tous les cas j'ai une moins bonne réaccel. Ce qui est bien, c'est que du coup, comme ils sont tous proches, bah là, au freinage, je perds pas de temps, du coup, j'en gagne même. Alors, avec celle-là, c'est autre chose parce que du coup, moi, j'ai une moins bonne voiture et je suis moins rapide, je suis un humain. Je veux pas dire qu'il y en a, c'est des cyborgs. Comme un certain Simon Perrini, mais un peu quand même. Failli faire l'excellent de Norris. Ah, j'aurais bien aimé. Ah, mais c'est ça qui est bien en ayant une bonne VMAX, c'est que du coup Kobayashi peut bien se défendre. Hop, troisième flashback. Et dernière. Ah, Hydro qui a lancé son live, j'ai eu la notif. D'ailleurs, je sais même pas d'où je suis, mais je suis apparemment sur Twitch. Mais vraiment, j'utilise un max à l'ERS. J'essaie de le gérer au mieux parce que j'ai pas vraiment envie de me faire dépasser par Albon. Voilà, devant Tsunoda sur 12, ça passe même pas. Pour vous dire la débilité, la stupidité de cette course et tout en soft en plus. Ah, ça veut dire que la fin de course on est censé le foudroyer du moins. Ah, oui effectivement Norris, je suis un assassin mais on passe P15. Et là effectivement j'ai les dives de ouf hein. Comme il y a JP10 quand même, mais là les soft ils vont commencer à chuter sur ces derniers tours. Non, Kobayashi est en train de tout perdre. J'espère qu'il va leur passer au DRS. En plus, il se fait dépasser par tout le monde donc. Oh là, Tsunoda. Après, oui, non, c'est aussi de ma faute, hein, là, clairement, mais. Je suis pas vraiment en confiance avec le petit japonais là. Oh là, c'est pas une Audi là, c'est une fusée, hein. La bataille avec Zhou. Elle referme très méchamment la porte. Tsunoda qui repasse. Mais comment Yuki? Oh là, je glisse. Malbonne. J'essaie de garder ma position, mais en fait, je suis en galère.
pas, alors en vrai ça va, P12, P14. Sachant que saison 1 et 2, j'ai fini P10, non, P17 saison 1 et P10 saison 2. Ça va, P14 c'est un entre-deux. Du coup, il y a une Alpine P1, Vamos. Et nous, on se fait foudroyer. Vamos. Tsunoda Kobayashi. Il nous reste 5 tours de carburant. Pour la P12, aïe aïe aïe, Kobayashi en difficulté. Wouah, Albon. Albon qui passe P14. Le seum. Incident. Le juge pas mérité. C'était chaud là, tu vas bien? Dis-moi si tout va bien. Oh là tout, ça indique qu'il remonte pas. Nous avons près de 4 tours de carburant. On passe sur Albon. Kobayashi P13. Ça m'énerve un petit peu ça. Ah là là. S'il pouvait y avoir seulement un petit spin ou quoi. Après c'est ça que je me dis, c'est que si y a un accrochage ou quoi, nous on peut marquer des points. Mais en cas de fait de course quoi. En temps normal. Ah, le bon. Ton retard sur la voiture de devant, 3,1 secondes. P14, ah mais je joue ma vie. Prendre P14, mais ah mais je m'en fous. Je veux cette P14 pour l'ego. Puis Leclerc P12, catastrophique Ferrari. Je pourrais dire j'ai été à égalité de points avec Ferrari un jour après un GPR. On tient la position.
sur Albon. J'essaie de jouer intelligemment, mais... Oh là là, parfois c'est complicado. Oh le bâtard, je vais pas avoir le DRS. Ah si, mais je suis trop loin, putain. Ah, il a tellement bien joué ce bâtard. Ah, j'ai lui. Bon, c'est terminé. Fais attention à la monoplace sur le chemin. Putain, le seum. Je vais l'insulter sa race, lui. Alors que le Grand Prix d'Arabie Saoudite touche à sa fin, Albon. Nous devons admirer l'excellent travail effectué par l'écurie pour décrocher la victoire aujourd'hui. Jacques Villeneuve, quelle victoire écrasante aujourd'hui. Qu'est-ce qui lui a permis de faire la différence? À mon avis, la gestion des pneus a grandement avec moi. Comme toujours, la vitesse ne fait pas tout. L'important est de conserver un rythme constant tout au long des différentes phases de la course. Il faut pouvoir boucler des tours propres sans forcer sur la conduite ni sur les pneus. C'est là-dessus que la course a été gagnée aujourd'hui. Ah ouais. Je dois reconnaître que cette course m'a épuisé. Victoire française aujourd'hui. Par rapport à l'état des pilotes. Il a fallu travailler dur pour en arriver. Vamos, Pyro. Leur présence sur le podium fait vraiment plaisir à voir. Ah, ça fait plaisir, en vrai, ça fait plaisir. Oh, cette saison 3, elle va être disputée de ouf. Parce que là, apparemment, on aura Alpine, on aura Aston, on aura... Red Bull, je pense, même s'ils sont un petit peu en retrait, Ferrari. Pourquoi pas McLaren? Si. Je pense vraiment qu'on aura une saison incroyable. L'impact de ce résultat sur le classement mais des pilotes, Dema, son incroyable performance du jour, Pierre Gasly, Dema, le top 10, il y a 1, 2, 3, ouais, il y a 6 pilotes du top 10 qui se sont lancés dans le top 10, qui finissent dans le top 10. Il a parfaitement géré la pression et a brillé malgré les difficultés rencontrées. Le Poleman finit 8e. Je suis à la fois épuisé et comblé par ce week-end de Formule 1, mais je vous donne déjà rendez-vous pour le prochain. Le P2 finit 18e, le P3 finit 16e, le P4 finit 11e, le P5 3, le P6 6, le P7 7, le P8 12, le P9 2, le P10 il a fini 10e, le P11 il a fini 4e. P12 5e, le P13 finit 19e, le P14 14e, le P15 fini combien le P15? DNF, P16 7e, P17 13e, P18 17e, P19 21e, P20 9e. P21, 20e et P22, 15e. En vrai, ça va. Bon GP, il a été cool. Donc, on a Alpine Père aussi. Ça, c'est good. Par contre, Mercedes P7 et Ferrari P8. Croyez-moi, je vais m'en souvenir. Ah, je vais m'en souvenir. Juste... Mon Red Bull P2, je pense pas que ça va durer en vrai. Ah mais le top 3.
En soi, P15, ça va, c'est ce qu'on doit faire. Nous avons actuellement un gros surplus de cash. Tu devrais en utiliser une partie pour développer nos infrastructures. Il y en aura deux évolutions pour le GP d'Australie. Gasly qui prend son premier podium depuis le GP de Las Vegas 2024 et sa première victoire depuis Monza 2020. Et ouais, Perez a pris son premier podium depuis le GP d'Arabie Saoudite 2024. Son premier meilleur tour depuis le GP d'Imola 2023 et son meilleur résultat depuis l'Espagne 2023. Moi, je désire parfois Stroll de se remémorer les saisons. Sargent qui marque des points. Pas mal. En vrai, Alfa Romeo, il commence bien. Il faut qu'ils en profitent. En vrai. Bon. Ah, c'est Alfa Romeo. On a bien reçu les nouvelles pièces de l'usine. Elles vont être intégrées à la moyen que ça refasse la saison. Et on est la 8ème force, ok. Ok. On est passé donc devant Alfa Romeo. En fait, à Aston Martin, ils ont large la meilleure voiture là.
Vamos, pas de pluie. Et en vrai, on est l'une des seules équipes à avoir amélioré. Mais putain. Avec Williams, Ferrari, Aston. Non mais Aston, c'est bon, frère. Toujours plus les BF1. L'FP2. Pardon. 4 likes les gars. Let's go les 5 likes. De faire un petit message hop pour les intéresser. J'ai mal gaffe. Enfin, la Lunaria les dimanches 17h, dimanche dernier GP de la saison au Canada pour ceux qui veulent. Et saison prochaine, bah il y aura probablement deux divisions. J'hésite à me faire une carrière pilote. Non, flemme. Flemme.
On regarde un petit peu là si on peut prendre ne serait-ce une évolution. On va devoir attendre. Non. Encore une fois de peu. Allez, go. Go, go. Let's go, la Q1. Go sortir. Essayer de faire le meilleur tour. Ouais, c'est un bon tour, vas-y, je refais un tour. Il nous reste moins 20 tours de carburant, le réservoir est vide. On en refait un. Okay, le meilleur premier secteur. Limite là. Pluie dans environ passe. 15 minutes. Ah, va y avoir de la pluie, ok. Et donc là en fait on est très bien. En fait au Canada je suis rapide hein.
Mais on est très rapide. Ah mais genre vraiment. Ah Petrov Amas. Je pense que ça passe. Quoique. Drugovic, c'est un peu le pélin. On met la même distance à Kobayashi, la même. On a le même écart avec Kobayashi qu'en Arabie Saoudite, mon inversé. Pardon. Allez, on va prendre un nouveau train. Bon, je sais même pas si ça vaut le coup de sortir, mais. Mais vaut mieux. Par contre, là, on est rapide, hein. Oh non, il va pleuvoir. En fait, ça veut dire que ça va être plus compliqué à améliorer. C'est là que j'espère que Kobayashi améliore ne serait-ce qu'un peu pour passer en Q2. Et ensuite, pour derrière, ça passe pas. Oh non, que je vais passer. Ça va pas assez large en vrai. La pluie ça me ralentit un peu beaucoup. 15.8, meilleur tour pour Gasly. 15.7 pour Russell, meilleur tour. Ah le seum. Pour très peu mais pas grave. P12, on passe en Q2. J'ai même envie de dire objectif Q3. Kobayashi, on lui met 6 dixièmes hein, de Vries et Drugovic. Oh, ok. En fait, après, il y a beaucoup d'écart dans les derniers, c'est ça le truc. Puis Albon, c'est pareil, il met presque une seconde à de Vries. Si, fin ma foi. Du coup, les deux à s'éliminer et qui ont marqué des points au à Jeddah. Gola Q2. En fait, c'est qu'on va même attendre la fin de Q2. Comme on n'a plus de train de soft 9. Tsunoda rapide encore une fois. Verstappen en galère. Allez, on sort. Verstappen et Norris. Non, je suis con. Je suis un gros con. Ah voilà, en plus on m'appelle. De toute façon, let's go box.
Non, non, mais non, mais c'est du gâchis, mais je me déteste. Ah, Verstappen et Norris éliminés. Ah là là, je me déteste, très littéralement. Gasly éliminé aussi alors qu'il avait le meilleur tour en Q1. Ah, ça va nous offrir une belle Q3 là. Un beau top 10. Non, mais non. Non, mais je suis con, je me déteste. Vraiment. Pas grave, pas grave, on va tout donner en course. Du coup, finalement, je me retrouve pas si bien classé par rapport à mon coéquipier. Bienvenue à Melbourne sous le soleil australien. Le tracé a été un peu modifié, il va falloir s'y habituer. Mais c'est toujours un grand classique du calendrier F1. C'est l'heure du Grand Prix d'Australie. Le circuit de Melbourne fait partie de ceux qu'il faut prendre au sérieux. Son revêtement bossé et ses virages difficiles compliquent les dépassements. Les pilotes qui ont du mal à doubler devront tirer parti des zones de DRS pour espérer décrocher un bon résultat ici. Après une séance de qualification extraordinaire, le moment est venu de regarder à quoi ressemble la grille de départ de la course d'aujourd'hui. C'est Carlos Sainz qui part en pole position. Paul de Sainz, Tsunoda P2. En ce qui concerne le reste de la grille, Leclerc, Russell, Ocon, Stroll, Perez, Oscar Piastri, Bottas, Joe, Magnussen, Gasly, Verstappen, Albon, Norris, Lucas, Hülkenberg, Liam Lawson, Sargeant, Kobayashi, De Vries et Felipe Drugovic. La phase de préparation étant quasiment terminée, dirigeons-nous vers la piste. Goal départ. Je suis ravi d'accueillir le fameux Jacques Villeneuve pour commenter l'action de ce Grand Prix avec moi. Et si on commençait par parler de Carlos Sainz? J'ai été impressionné par sa performance en qualification, mais sera-t-il possible de transformer cette pole en victoire face à toutes les monoplaces redoutables qui l'entourent? Effectivement, Sainz en pole, pas mal. Les premiers virages vont être cruciaux pour pas mal, pas mal. Vont devoir gérer leur gobe pour pouvoir se donner. Mais non, mais j'ai le seum. Là, de pas sortir, mais en même temps, ça non, c'est pas de pluie. J'ai tout le temps de la pluie. De toute façon. Vas-y, go soft medium. Je vais baisser le carbu. Et c'est
c'est parti, les pilotes s'élancent pour le tour de formation et l'excitation est à son comble dans les deux. Ok, 9 des 10 premiers en medium, soft con, et tous les autres en soft, non con. Nous allons vite le découvrir, alors restez avec nous. Oh con, c'est risqué, hein. Ce qui fait. C'est tentant. C'est osé. Bonne mauvaise strat, je sais pas. Parce que là, le problème, c'est pas de partir en soft, c'est de partir en soft en plein milieu de des stratégies de médium. Après, on soit les bien positionnés. En Australie, c'est ceux qui partent en médium qui sont fait un peu baiser. Bon, en Australie, en Arabie Saoudite. En Australie, peut-être que. Oh, Magnussen, il a calé. Verstappen, il a pris un bon départ. Oh là, j'ai failli faire un Ricciardo en 2019, le 3 de front. Non, mais c'est pas ce que vous croyez. Ah, ça compte comme un flashback, premier flashback. Tout le monde a calé, sauf moi. Il y en a quelques. What the fuck? Il y en a quelques-uns qui ont pris le même départ que moi, mais moi. Enfin voilà quoi. Finalement, je suis revenu à ma position initiale. Lawson P15, Norris P17, oh la Merco. J'ai l'impression d'être en Ligue F1 quoi. Parfois de gros écarts, mais par contre, les équipes. J'ai l'impression que c'est un perf égal. J'ai un plutôt bon rythme. Il faut à présent se concentrer sur le reste de la course. Albon, Salmon, qu'on a une meilleure voiture que lui aussi, hein, après les P14. Il est bien positionné, je pense qu'il va tout donner parce qu'il est bah justement bien positionné. Donc ne pas gâcher toute chance de points. Voilà, j'ai retardé mon freinage à l'extérieur. Et j'avais envie de dire ça passe, mais on est allé au large et ça passe quand même finalement. Ah, salut Albon. Quand même bien récup. Lawson, problème mécanique. Encore une Williams. Mais Williams, catastrophique un peu en fiabilité là. Abandon de Drugovic sur le casse moteur en Arabie Saoudite. Problème moteur là pour Lawson en Australie. Bof. Leclerc, meilleur tour en 18.0. Piastri en médium qui chute. Il est 12e maintenant. Ça se bat devant. Piastri face à Magnussen, face à son coéquipier champion du monde. On essaie de croiser sur Verstappen maintenant. Avance un peu.
dépassement, on va consommer une partie de l'énergie récupérée. Voilà, ma dépassement DRS contre DRS est probablement. J'essayais d'y aller, j'aurais peut-être pas dû, j'ai pas de dégâts, donc tout va bien. Puis en plus de ça, je me fais réattaquer par Verstappen. Je retente sur Magnussen. Je repasse, c'était pas vraiment très propre, hein, mais... ma foi, why not. Après Piastri en médium et Verstappen. Verstappen, ça avait Max ou DRS. Quand même, on se rabat. Yellow derrière. J'espère que c'est pas Kobayashi. On sonne As. Oh, Sergeant. Dommage après les points en Arabie Saoudite, je suis en glisse totale. C'est qu'on va rester derrière Verstappen, on va le suivre au DRS si on arrive à rester un peu sur la piste là. Essayer de profiter des batailles de devant. Je force un peu. Non, c'est pas Piastri, merde, c'est Magnussen. Sur Magnussen, mais on m'en excuse. Attends, j'ai même pas le DRS. Ah, on va vider notre batterie. Oups. Yellow devant, derrière. Alors c'est Sergeant. Non, c'est encore Sergeant. Ah, ça m'a bien d'être retiré. Un petit peu long. Pour le coup, c'est qui c'est Ocon avec ses soft. Ouais, il est en galère, Ocon. Est-ce que les médiums sont pas rapides en fait? Parce que là, je suis en train de me demander si en fait le meilleur choix c'était pas de faire un medium soft. Et que c'était peut-être sur Max. Oh, Max, je l'ai vu derrière. Mais j'aurais le DRS sur Piastri. Lui l'aura sur Ocon forcément. Bon, soit ça va, je vais pas être si méchant que ça avec Max. Mais Ocon, il est en perdition, hein. Je sais pas ce qu'il a. Il y a un train qui derrière qui s'est formé. Nor... même Norris il est pas si rapide que nous. Piastri qui est passé sur Ocon. Piastri qui reste devant. Neuvième tour. Nous approchons de la fenêtre d'arrêt au stand, tu chausseras des médiums.
Magnussen qui me réattaque. Les médiums commencent vraiment à être sur Twitter. Ocon, je sais pas s'il a le DRS. Je pense qu'il l'avait, mais est-ce qu'il l'avait activé? En tout cas, là, il l'a, ça c'est sûr. Piastri est tellement vite. Tellement rapide avec ce médium Piastri. Le Magnussen, est-ce qu'il va me suivre sur Ocon? Pour Ocon, je pense qu'il a un problème pour être aussi lent. Ouais, c'est le père, ma boss. Je m'y attendais même pas. Joli. À voir, on croirait presque que c'est facile. Je pensais être tellement plus rapide par rapport à lui. Hey, ça va ? C'était pas beau. Deuxième voir. Flashback, oui. Ouïouïouï. Oh con, il a failli la perdre là, je reconnais. Allez pompiers. Enfin, du moins une ambulance, je pense. Les pneus ont l'air en bon état. Mes pneus sont pas en bon état. What the fuck, Magnussen? Ne le lâche pas, il peut encore faire une erreur qui nous permettrait de récupérer notre place. Même tout en médium, la P9. En box. Troisième flashback et merde. Il ne te reste plus qu'un arrêt, plus qu'un seul arrêt. Go les box. Je suis premier à boxe. C'était un super arrêt. Enfin, il y a derrière aussi, mais du coup, ils sont derrière. De finir la course avec ses ouais, il y a moyen que je fasse un undercut. Hein.
parce que l'Undercut était un peu surcheaté sur la F23. Absolument ultra lent en médium par rapport à Ocon et Magnussen. Kobayashi au stand avec Albon. Gasly en hard, what the fuck. Quel meilleur troisième secteur. Faudrait pas me sortir quand même. Ça serait ballot. Là par contre les hards ont du mal à chauffer. Ok, ton retard sur la voiture de devant, 4,4 secondes. Ouais non, Ocon va me repasser. L'exerbe. Il nous reste 9 tours après celui-ci. Ocon meilleur tour 27.9. Ah oui, chaud. Giga rapide. Il a fait un giga de travers. Le seum. Puis Bottas en soft. Là, tous les mecs en soft, hein, ça va être galère à les rattraper. Et du coup, ça veut dire que Gasly il a fait soft hard. Ça veut dire qu'il avait en fait plus de médium. Pas ouf sa strat. Hein. Pas ouf la gestion alpine. Après, ils ont tenté. Bon, Gasly démarrait bien. Démarrait dans les points et tout. Dommage. Pour moi, là, c'est vraiment du gâchis hein, ce qu'Alpine a fait avec Gasly. Sa box. Ah, on va avoir une place dans les points. Pour l'instant. Je suis absolument pas à l'aise avec les médiums, hein, mais soit. Le dortier ok, suite à ce qui vient de se passer. Par contre là non, mais je sais même pas quand je la perds, frère. Je veux trop passer comme si j'avais personne devant moi, sauf que j'ai du giga dortier. Attendez les gars.
why not? Tiens, mais... Adèle, ça fait 2 ans que t'es pas allé sous le canapé, pourquoi tu vas là? Quand même. Donc on a l'aspiration Odère sur Monsieur Esteban Ocon. Hop. Je vois bien positionner la série. Celui-ci est plus que 7 tours. Surveille tes pneus, surveille tes pneus. Merde, j'étais resté sur le RS, le con. Là, les formés vont encore marquer de gros points. Ah, les formés, ils sont bien de ouf. Cette saison. Malgré la performance plus que moyenne de leur voiture, elle était mauvaise. Magnussen, Verstappen, Vamos, il me laisse un petit peu respirer. Leclerc, Perez, meilleur tour en 17.8. Ils me mettent entre guillemets que 4e à mon meilleur tour, donc on soit. Ça, on a un bon rythme. Par rapport au leader. Faut se montrer dans la rétro. Parfois, ça peut l'emmener à l'erreur. Et ça sur la F1-22. Ça y est encore sur la F1-23. Au moins un bon, mais quand même, ça y est. C'est à peine toujours P11. Oh merde. Bah Verstappen P10 du coup. Oh bah là bye bye les points. S'il te plaît, Verstappen attaque Ocon vite fait. Oui. Non, non. Attendez. Re.
reste à peu près 5 tours de carburant. Ça me saoule du coup. Je sais pas depuis que je suis... Je vais faire un truc là, ma chaise elle est pas bien. Alors je glisse... un peu énormément. C'est à peine au DRS sur Ocon. Ah bah l'exté. Non. Alors, il est pas moteur. Vers Stappen qui est passé sur Ocon. Est-ce qu'on va pouvoir en profiter? Non, j'ai glissé, chef. Oh. Merci, Lia. P10, il a tout perdu. Quoi, il a pas le DRS? Okay. L'Alpine elle a peut-être un problème de DRS effectivement. Magnussen il doit avoir un problème avec moi. Enfin il a un problème avec moi désormais. Non, quand il a encore le DRS, ça va me sceller. Non, je veux ce petit point. Ouais, un petit peu chanceux, quoi, sérieux. Vous voyez hein, comment je vide ma batterie, c'est dingue. Je rattrape toujours pas. Mais ça va pas avoir le DRS. Si j'arrive pas avec le deux tiers, plus l'usure des gommes et tout, je perds beaucoup trop de temps. Je glisse de ouf, ça bien. C'est peut-être, je pense pas pouvoir aller le chercher dans le dernier tour. Donc je vais aller le chercher là. Je vais essayer. Je vais tout donner dans ce dernier tour. Dernier
carburant. Bottas P9. Ah, j'ai le goût de la défaite là. Victoire de Tsunoda, là, ça c'est incroyable. Fin de la course, rendez-vous au parc fermé. Ah, voilà. Toujours 0 point. Et c'est une superbe course qui s'achève sur une magnifique victoire ici à l'Albert Park. Dites-moi Jacques, comment pensez-vous qu'il a réussi à signer un tel résultat aujourd'hui ? Je pense que la météo était parfaitement adaptée à sa monoplace. Toutes les conditions étaient réunies, vent, température de la piste. Lorsque la température des pneus est optimale, les performances sont au rendez-vous. Vous avez donc tout intérêt à maintenir cette température. Voilà ce qui a fait la différence aujourd'hui. Sa monoplace semblait à l'aise sur la piste. Alors que les pilotes s'approchent du podium, on peut dire que l'écurie Aston Martin commence à faire beaucoup parler d'elle. Cette course témoigne du travail accompli pour décrocher la première place. Donc, voyons à quoi ressemble le classement des pilotes. Avec les points qu'il a gagnés aujourd'hui, Sergio Pérez devient le leader du championnat. Nous avions une belle brochette de talent en piste aujourd'hui, Jacques. Mais qui choisiriez-vous comme pilote du jour ? Mon vote va à Yuki Tsunoda aujourd'hui. Le moment est venu de jeter un œil au classement des constructeurs. Du coup, victoire de Tsunoda avec Aston, Gilles Pullman, Carlos Sainz et les deux Ferrari sur le podium, puisque Leclerc 3e, Perez 4e avec le meilleur tour en 17.8. Et France et Gasly 7 et Ocon 10, moi-même P11, un peu le seum. Et mon coéquipier, Kobayashi P19. Le classement pilote. Perez toujours en tête à 32 points. Plus qu'un point d'avance sur Gasly qui lui est à 31. Eh mais en fait, non, ça c'est incroyable comment c'est serré. C'est un truc de ouf. Et puis Bottas, il est fort aussi. Hein. Ferrari qui revient dans le match un peu. Puis voilà. Sur ce mois, je vais y aller.
5 et 7 avril là, ouais, ça fait une évolution pour le prochain GPR. Puis voilà. Je vous laisse là-dessus, à tout à l'heure. Ciao, ciao. Peace.